prête. C'est Sergueï Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument, tout lycée se doit d'avoir son club. J'aime le rose, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose fuchsia avec... Ça va pas la tête. Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Fanion bleu pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4h. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16h. Mémo pour le club mode, Karine Bateman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées ou Clover fait partie d'un million de clubs d'étudiants? Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remontée en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potins. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport, mais... Oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour, Clover refuserait de faire du shopping. Prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une mesure... Ah, ça me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair. Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi, t'adores la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça. Cool, j'en avais besoin, justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois. Ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées? Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Oh, pas que je loupe le canapé. Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergueï Siberia a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets. Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir fini, là? Faut qu'on en parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera. Bien joué, Clover. La partie est finie. Hey, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées.
C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushis. J'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur. C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut Clover! Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mes toutes nouvelles lunettes, voyons! Alors, pas trop jalouse? Jalouse de deux carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra! Clover, la nouvelle chanson des Pam Pam Girls est sans cesse... Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? Clover, tu m'as sauvé la vie. T'es un héros. Clover, c'est incroyable. Tu as un entraînement particulier. Tu voudrais pas nous présider notre organisation? On a besoin d'un trésorier des barbares. Non, non et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh, la pauvre. Sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover, elle déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie. On essaie seulement de l'aider. Il n'y a rien de suspect, partons. Attends, la penderie. Si tu cherches tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés. Je le ferai plus, je te le jure. Original, la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oups. C'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur. Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. Très étrange. Totalement. Et génial. Comment ça génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret. Et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle. Jerry, j'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames. Surtout, enfermez-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop. C'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier, Jerry. Mais on perd un temps précieux, là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Tu veux dire que c'est sans nous? Maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul. Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Ayez pitié, mesdemoiselles! C'est un canon magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux! Tout simplement merveilleux! Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur.
D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser. Du fluide hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergueï? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergueï? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Quoi, vous savez, Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est une ardille qui m'a embauché à diriger ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un papou tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop, on parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hé, hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça. Il y a des îles partout! Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Il y a bien celle-là, éventuellement. En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge. C'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage... C'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant qu'il y est, ne regarde pas non plus en l'air. Drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Lâchez-nous immédiatement! Allons, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Oh. Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon, il est tonique, et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment.
Cette super espionne bionique travaille pour moi. Et devinez quoi, elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier. C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Oh. Allez, petit minou, joue avec les bibis. De retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu eu ça? Dans ta penderie, et j'ai bien l'intention de m'en servir. Un jour tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. C'est la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean Clover. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Clover? Allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider? Pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi?
On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aime vraiment trop être populaire. Pas le club d'échecs. Waouh. Vous y croyez, vous? Quand même, Clover était de loin la fille la plus populaire de tout le lycée et puis, pouf! Terminée du jour au lendemain. C'est fou, plus personne ne vient la voir pour un conseil beauté ou pour parler mode. Et puis quand elle marche dans les couloirs, elle ne sort plus du lot, c'est une élève parmi tant d'autres. C'est dingue, Clover est devenue insignifiante. Oui, bon bah ça y est, faudrait arrêter là. Ah, bah, je veux dire, faudrait pas oublier quand même que... Enfin, je veux dire que c'est une fille géniale. Félicitations, belle performance. Messieurs, la SPI est prête à passer à l'action. Oh, c'est magique d'être au centre commercial. J'ai l'impression de ne pas y être venue depuis des siècles. Ouais, c'est super l'espionnage, mais c'est prenant. On n'a plus le temps de faire les boutiques. Arrêtez de vous plaindre. On était à Paris le week-end dernier, non? Oui, d'accord, Sam. Mais c'était pour arrêter une espèce de malade qui léchait goulûment la peinture des tableaux du Louvre. Tu as rien que d'y repenser, ça me donne mal au cœur. Waouh, vous voyez ce que je vois? Chic boutique embauche à mi-temps, c'est génial! Ouais! Les filles qui ont travaillé dans ce magasin sont toutes devenues mannequins. C'est le destin. Nous allons faire une grande carrière dans la mode. Eh oh, les filles, il y a une seconde à peine, vous êtes plaintes de manquer de temps libre. Samy, pour Chic Boutique, on s'arrange pour en trouver. Hein? Bonjour, on vient pour le travail à mi-temps. Dans ce cas, voici les manuels de formation Chic Boutique. Étudiez-les avant de passer les tests d'aptitude. Ah, des tests d'aptitude? C'est indispensable. Vous pourriez nous donner ce travail, tout simplement. Ne sommes-nous pas vos meilleures clientes? Oui, c'est vrai, comme toutes les jeunes filles de Beverly Hills. Mais c'est pas gagné d'avance, sans vouloir vous démoraliser. Viens, Alex. Rien ne pourra nous empêcher de devenir top modèle. On va aller potasser ça tout de suite. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique? Je dirais plutôt les lois élémentaires de la courtoisie. Un peu de sérieux, les filles. Nous filons vers Londres où vous devrez capturer les cambrioleurs qui ont volé la plus belle collection de diamants du monde. Et sans plus attendre, passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous serez dotés de casques de détection infrarouge, des perfobots au titane, le rouge à lèvres laser et une nouveauté sortie tout droit de nos labos, la bague à propulsion antigravité. Bonne chance, les filles, et n'oubliez pas, le Whoop compte sur vous. Allez, hop. Whoop, par sécurité, vérification des systèmes. Détecteur à infrarouge activé. La nuit tombe vite en Angleterre. Mets ton casque dans le bon sens, Alex. Ah, c'est mieux comme ça. Activé. Hey, je viens de me rappeler que le magasin principal de Chic Boutique était à l'eau. Réglons cette affaire au plus vite, puis on ira leur demander d'étudier.
malfaiteur armé vient d'être capturé par une nouvelle brigade anticriminelle. J'ai à mes côtés son porte-parole, Geraldine Husk. Oui, je représente la SPI, initiale de Superprotection Internationale. Et vous avez dû constater que notre méthode, c'était l'avenir en matière de lutte contre le crime organisé. L'avenir en matière de lutte contre le crime organisé? Eh ben nous, on sert plus à rien ou quoi? Maintenant, je vais vous laisser. Je suis désolée, mais le devoir nous appelle. Nous allons livrer ces criminels à notre centre de haute sécurité. Ouais, je suis curieuse de savoir si Jerry connaît la SPI. Appelons-le pour le lui demander. Inutile, regardez qui est là. Jerry! Non. J'ai vu depuis l'avion qu'il se passait quelque chose d'étrange, et nous avons atterri. Mais en ce qui concerne la SPI, je dois avouer que son existence me surprend autant que vous. Qu'ils sont mignons, leurs agents. On ne sait lequel choisir. Salut, je m'appelle Clover et je suis espionne comme vous. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler boulot et plus si affinité. Essaie de faire barrage. Hein? Vous gênez, excusez-nous. Si vous préférez, on discutera tout à l'heure. Vous avez vu? Ce genre de tatouage fait froid dans le dos. Non, j'ai rien vu, je m'occupe de Clover. Je l'ai aidé à se remettre de ses émotions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? Je constate qu'on n'a plus besoin de nous, apparemment. Puisque l'affaire est close, nous rentrons. Grâce à la spectaculaire intervention surprise des agents de la SPI, les voleurs de diamants ont pu être arrêtés. C'est vraiment étrange. Hier, la SPI était inconnue du public et on ne parle que d'elle dans la presse aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas qu'une organisation presque aussi performante que le WHOOP, qui emploie des agents au physique plus qu'avantageux, nous vienne parfois un peu en aide. Ouais, grâce à la SPI, on va avoir plus de temps pour soi, et moi, c'est des heures entières qu'il va me falloir pour apprendre par cœur le manuel de Chic Boutique. Bon, voyons voir. La gérante du magasin est sortie, le tiroir caisse est bloqué, et plus de bottes en daim bleu en stock. Que faites-vous? Je dis aux clientes qu'on ferme. Non, Alex, mais c'est une question piège. On ne vend que du noir chez Chic Boutique. Ah, bien sûr, mais que je suis bête, je le savais. Enfin, je crois. Désolé de vous déranger, mesdemoiselles, mais nous avons une urgence. Nous venons d'être informés que l'usine d'armement de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, allait être cambriolée. Ça nous laissera plus beaucoup de temps libre. J'y crois pas, c'est encore Géraldine de la SPI qui donne une conférence de presse. Et on aurait réussi notre coup si les agents de la SPI n'avaient pas été dans les parages. Ils ont fait plus vite que nous pour la deuxième fois, mais c'est agaçant. Non, vous avez vu ça? Ouais, c'est abominable. Je crois que moi aussi je deviendrais une criminelle si j'avais les bras aussi poilus. Mais je voulais dire que ta cambrioleuse avait le même tatouage que le voleur de diamants de Londres. Et alors, beaucoup de gens portent les mêmes tatouages? C'est encore moi, salut! Je tenais à vous remercier personnellement pour les petits coups de main. Hein? Hé! C'est quoi ces manières? La première fois, je vous ai pardonné parce qu'on était dans la même branche. Mais là, vous devenez vraiment grossier! Vous n'avez pas l'impression d'être franchement inutile en ce moment? Peut-être que la SPI est plus performante que le WHOOP. Bon, venez, on rentre. De toute façon, on ne sert à rien, alors pourquoi rester? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis ravie de me retrouver au lycée parce que cette SPI m'a un peu déstabilisée. Eh ben, ça faisait que commencer. Bon, cette fois c'est officiel, la Terre entière est devenue accro. Ne me dites rien. Je devine en voyant votre air stupide que vous ignoriez que c'était la fête officielle de la SPI aujourd'hui. Mais vous êtes toujours largués, ça ne m'étonne pas de vous. La SPI a une fête officielle? Écoutez tous, la SPI vient d'empêcher un coup d'état sur l'île de San Banana. Ils sont fantastiques. Quelle équipe de choc. Je comprends pas. Pourquoi Jerry ne nous a-t-il pas envoyé à San Banana? Peut-être parce qu'il n'a pas pu nous joindre. Regardez, le réseau est brouillé comme si sa ligne avait été coupée. Mais enfin, que se passe-t-il, Jerry? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors courage. La SPI a réussi à supplanter le WHOOP. Nous devons fermer boutique. Quoi? Nos
C'est impossible, c'est pas vrai. Le fait est que la SPI nous a, comment dire, nous a surpassés. Alors ça veut dire qu'on fera plus d'espionnage? Non, je crois que c'est définitif. Nous sommes certainement amenés à ne plus nous revoir. Je sais qu'on se moquait souvent de vos plaisanteries, mais vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Oh, mince. Pardon, les filles. Excusez-moi. J'ai une petite poussière dans l'œil. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Bon, on n'a plus aucune raison de rester ici. C'est probablement la vidéo des exploits de la SPI sur l'île de San Banana. C'est étrange, mais le visage de ces guerrilleros m'est familier. Tu viens, Sam? Allez-y toutes les deux, je vous rejoindrai plus tard. On n'a plus qu'à rentrer et choisir une tenue pour passer le test à Chic Boutique. Ouais, t'as raison. Après tout, on n'a rien d'autre à faire, alors... Avec cet agrandisseur d'image, je vais en avoir le cœur net. C'est bien ce que je pensais. Ces deux tatouages sont identiques. Écoutons les voix. N'avez pas été dans les parages. Voyons si je les règle sur la même fréquence. Barrage. Parage. Parage. Bingo. C'est une seule et même personne. Il est temps de rendre une petite visite à la SPI. J'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même. Les voleurs de diamants! Eh bien, mon plan d'élimination du Whoop a parfaitement réussi. Le monde est à notre merci. Il est temps de passer à la phase 2. Préparez le jet. À vos ordres, patronne. C'est affreux, je m'en sors pas. Je mets ce haut en lin noir avec une jupe en soie ou ce haut en soie noir avec une jupe en lin. Allô, Alex, tu me reçois 5 sur 5? Désolée, Clover, je crois que je suis encore sous le choc à propos du Whoop, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on est en pleine crise vestimentaire, alors ressaisis-toi une seconde. Allô? Clover, c'est moi, Sam. La SPI est en fait une organisation criminelle. Rejoins-moi tout de suite à leur QG avec Alex. Sam, passe à autre chose, il faut que tu guérisses de l'espionnite aiguë. C'est malsain de vouloir s'accrocher quand tout est terminé. Clover, arrête, c'est sérieux, tu dois me croire. Sam? Effectivement, c'est sérieux, elle est gravement atteinte. Si on n'intervient pas, elle va faire n'importe quoi, allons-y. Salut! Les jets sont prêts, patronne. Parfait, j'arrive. Tiens, encore une visite inattendue. Eh bien, nous aurons deux invités de plus. Je suis très occupée, mademoiselle. Alors soyez brève. Dites-moi en quoi je peux vous être utile. Voilà. En fait, notre ami Sam s'est persuadé que la SPI était une organisation criminelle. Ce qu'on veut dire, c'est simplement que Sam a beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus être une espionne. Et on voulait savoir si vous ne l'auriez pas vu dans le coin. Négatif. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Clover, regarde, le pomme poudrier de ça. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder. Oh. Vêtements. Il n'y avait pas de mise en garde sur l'étiquette.
Vous êtes bien installé? Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalée pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Géraldine, que les agents du Whoop ont du ressort. Hé, Sam, si on activait le signal de détresse de notre com poudrier au cas où Jerry serait connecté? Bonne idée, Alex. On arrive trop tard. Il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Ça, ça fera peut-être l'affaire, non? Fais attention, Alex. Maintenant, vise le troisième jet et détruis-le! Vite! Tout le monde à bord! On peut encore atteindre la réserve fédérale! Qu'est-ce qu'on fait de ces petites pestes? Ne t'en occupe pas! Dans quelques instants, elles auront la surprise de leur vie quand tout explosera! Mademoiselle, faites un bon voyage. On se débarrasse pas du Whoop comme ça. Je créerais pas victoire si j'étais vous. J'ignore comment vous vous êtes échappé de ma soucoupe volante piégée, mais tant pis. Mes agents vous réduiront en miettes sans tarder. Non. Ah!
l'occasion de tester nos bagues. Oh là là, quel gâchis. Alex, c'est génial, une lumière. J'avais totalement oublié les bagues à propulsion antigravité. Géraldine a les bras ligotés. Qui est-ce le pilote? Excellent travail, les filles. Bravo! Le Whoop a une énorme tête envers vous. Vous êtes contente, mesdemoiselles? Très! On adore ça! Merci, Jerry! C'est sympa de sa part de nous offrir des vacances pour nous remercier d'avoir sauvé le Whoop. Eh, vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié l'entretien d'embauche de Chic Boutique. Moi aussi. Bon, et puis qu'est-ce qu'on ferait d'un travail à mi-temps vu qu'on est déjà espionne à plein temps? Vous croyez que si on le lui demande gentiment, Jerry va nous offrir d'autres sodas? Bah tiens, où il est? Désolé, les filles, mais nous avons une affaire urgente en Sibérie. Non, pas la Sibérie! Enfin, ça nous évite d'avoir à apprendre le manuel.